Journée du 3 octobre 2017, au cours de ces rencontres Africa B2B, nous sommes honorés d'être au stand de Engagé au Africa avec monsieur Ametp Adjavouin. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle Afrique de cette structure. Exactement, je suis le directeur du pôle Afrique du groupe Engagé. Oui. Le groupe Engagé est une société française montée il y a 10 ans, spécialisée dans le domaine du conseil en système d'information et transformation numérique. D'accord. Accompagnons nos clients dans toutes les démarches visant à mettre en place une solution numérique ou digitale. Étant donné que leur activité, c'est des projets qui sont gérés de bout en bout. Ouais. Et depuis 2 ans, nous avons attaqué le marché africain. D'accord. Nous accompagnons nos clients dans la préparation de leurs projets, dans le pilotage du projet aussi, dans la livraison de la solution avec le souci de faire en sorte que leur capitalisation soit assurée assez rapidement et de la rentabilité des projets soit à la hauteur des espérances de nos clients. D'accord. Vous êtes présent dans combien de pays africains ? Pour l'instant, l'Afrique, nous la desservons depuis notre plateforme parisienne, puisque la société est française avant tout. Et justement, notre présence en Côte d'Ivoire est une première étape visant à l'établissement d'une filiale sur le continent africain. D'accord. À partir de laquelle nous pouvons desservir la sous-région ouest africaine. Vous entendez progressivement vous implanter dans l'espace CDAO. Exactement. Et dans les autres espaces régionaux. Exactement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais. Donc exactement. Et la démarche consiste justement à s'établir sur le continent. D'accord. Jusque-là, depuis 2 ans que le pôle existe, on opère depuis Paris et les activités sont telles que nous sommes tenus de nous implanter sur le continent et Abidjan est une plateforme assez intéressante par son infrastructure et aussi par le pôle que ça représente dans la sous-région africaine. D'accord, merci. Alors, vous intervenez en assistant chaque phase de projet dans l'optimisation des systèmes d'information, dans la garantie de l'autonomie numérique et vous assurez également la montée en compétences de vos équipes. Exactement. Donc, comment ça se passe brièvement? Comment ça s'organise? Ça se passe de la façon la plus simple possible. D'accord. Une méthodologie clairement définie pour nos partenaires africains. D'accord. Cette méthodologie est adaptée au contexte culturel africain. D'accord. Vous intervenez dans des délais assez courts? Exactement. Okay. Des timings assez serrés, mais bien maîtrisés. Un budget clairement défini et on fait en sorte que nos clients ne se retrouvent pas avec des délais explosés comme ça D'accord. se passe ailleurs. Mais surtout avec la qualité de la solution rendue et la maîtrise assez tôt de la solution. Tout ça font partie de la méthodologie d'Engagé au Africa. D'accord, ce qui vous a valu justement la certification de Global Compact. Bien sûr, nous sommes certifiés déjà. En tant que spécialiste donc des systèmes d'information. Exactement. Je vous remercie beaucoup, monsieur Adjavouin, de nous avoir accordé ce temps d'entretien. Merci aussi de nous avoir accordé cette petite lumière. Merci beaucoup au nom de Business Marketer Expert, c'est Charles Gisbani, s'adressant à monsieur Ametp Adjavouin, responsable du pôle Afrique, pour Engagé au Africa. Merci bien. Bonne fin de forum et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.